السلام عليكم الزرفلاون بون سوار. C'est vrai qu'il est des dessins qui sont plus parlants que les meilleurs discours. Regardez cette carte de la Palestine. Avant qu'elle ne soit colonisée par le sionisme et ce qu'elle est devenue après la colonisation. Et ce n'est pas encore fini puisque la colonisation continue de plus belle. Nous allons donc parler de Palestine aujourd'hui, de cette troisième intifada qui se profile à l'horizon, un horizon bouché, celui des Palestiniens. Nous allons parler de ces jeunes Palestiniens qui ont presque tous adopté ces derniers temps une très étrange mais très belle attitude, un peu comme une signature. Ils sourient tous quand ils se font arrêter par la soldatesque israélienne. Ils semblent être aux anges, comme s'ils montraient que de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre, qu'ils sont déjà morts, et que d'une certaine manière, ce n'est que par la résistance, voire par la mort parfois, qu'ils peuvent racheter leur qualité d'êtres humains, qu'on a privé non pas seulement de leur terre, de leurs droits humains, mais aussi et surtout de leur dignité. Ils sourient, ils ne craignent plus leurs bourreaux, ils les bravent ouvertement, allant parfois jusqu'à offrir leur jeune poitrine à des balles assassines. Aujourd'hui, en guise d'éditorial, je vais vous lire quelques extraits d'un texte signé par une journaliste israélienne, Amira Haas. Elle vit en Cisjordanie et a vécu à Gaza. Elle a rapporté de poignants témoignages sur le quotidien des Palestiniens, sur les atrocités qu'ils subissent depuis si longtemps, de l'aveuglement des dirigeants sionistes. Voici son texte. Que nous remarquions qu'il y a une guerre que lorsque des Juifs sont assassinés n'enlève rien au fait que des Palestiniens se font tuer tout le temps. Et que tout le temps nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur rendre la vie insupportable. La plupart du temps, il s'agit d'une guerre unilatérale conduite par nous pour les amener à dire oui au maître. Merci beaucoup de nous laisser en vie dans nos réserves. Quand quelque chose dans l'unilatéralité de la guerre est perturbé et que des Juifs sont assassinés, alors nous accordons notre attention. Les jeunes Palestiniens ne vont pas se mettre à assassiner des Juifs parce qu'ils sont Juifs, mais parce que nous sommes leurs occupants, leurs tortionnaires, leurs geôliers, les voleurs de leur terre et de leur eau, les démolisseurs de leur maison, ceux qui les ont exilés, qui leur bloquent leur horizon. Les jeunes Palestiniens, vengeurs et désespérés, sont prêts à donner leur vie et à causer à leur famille une énorme douleur parce que l'ennemi auquel ils font face leur prouve chaque jour que sa méchanceté n'a pas de limite. Même le langage est malveillant. Les Juifs sont assassinés, mais les Palestiniens sont tués et meurent. Est-ce vrai? Le problème ne commence pas avec le fait que nous ne sommes pas autorisés à écrire qu'un soldat ou un policier a assassiné des Palestiniens à bout portant quand sa vie n'était pas en danger, ou qu'il l'a fait par télécommande ou depuis un avion ou un drone. Mais c'est une partie du problème. Notre compréhension est captive d'un langage censuré rétroactivement qui déforme la réalité. Dans notre langage, les Juifs sont assassinés parce qu'ils sont Juifs. Et les Palestiniens trouvent leur mort et leur détresse parce que c'est probablement ce qu'ils cherchent. Et c'est ainsi durant tout l'article où cette journaliste israélienne reconnaît ouvertement, publiquement, et c'est beaucoup de mérite de sa part,
les souffrances indicibles de ce peuple, du peuple palestinien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir le professeur Christophe Oberlin, chirurgien et militant très actif de la cause palestinienne, maître Gilles Devers, avocat internationaliste, et dans la deuxième partie de cette émission, du top 3, nous accueillerons le professeur Salim Benkhedda, fils du défunt président Benkhedda. Mais nous allons d'abord voir les journaux d'aujourd'hui. Libération. Jour de tension au Proche-Orient. L'humanité. La jeunesse palestinienne insurgée contre la guerre sans fin de Netanyahou. El Watan. Soulèvement dans les territoires palestiniens occupés. Israël opte pour le tout répressif. Fares Shahin. Professeur Christophe Oberlin, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, Monsieur Benchenouf. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, cette carte qui est derrière vous. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Cette carte, elle interpelle et je crois qu'elle mérite une explication parce que qu'est-ce censé représenter cette carte? Elle montre en blanc la zone où la suprématie israélienne, juive, est présente. Alors, on pourrait d'ailleurs aujourd'hui, sur la quatrième carte, la dessiner en totalité en blanc, oui. Puisqu'on sait bien que les zones autonomes de Cisjordanie ne sont absolument pas autonomes, et la bande de Gaza est soumise au siège, presque 2 millions d'habitants, 50 personnes qui peuvent entrer ou sortir chaque jour. Je rappelle que le blanc, c'est ce qui n'est pas palestinien, c'est les Israéliens. Voilà. Et les verts, par exemple là, en 1945 ou 1946, le côté vert, c'est là où se trouvaient les Palestiniens. Et ce qui est en blanc, c'est les endroits de vie où se trouvaient des concentrations de Juifs. Alors voilà, mais oui. La carte aujourd'hui, cette dernière, qui est très désespérante, on a l'impression qu'il ne faut quasiment plus rien pour que les Palestiniens aient disparu, elle montre simplement la zone de souveraineté d'Israël, oui. C'est-à-dire la zone de souveraineté de l'armée oui. israélienne, ce qui est très peu de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens sont toujours là, y compris en Israël. Il y a près de 2 millions de Palestiniens israéliens. Et oui. Ce qu'il faut savoir, et vraiment cette carte ne le reflète pas, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire de la Palestine historique, de l'État palestinien de 1922, sur ce territoire qui est dessiné ici, aujourd'hui même, et pas dans 20 ans, oui. Les Palestiniens sont majoritaires. Il faut quand même avoir toujours à l'esprit qu'à l'intérieur des frontières de 67, parce qu'il faut toujours définir ce dont on parle, eh bien vous avez 60% de Juifs, 20% de Palestiniens israéliens, qu'il ne faut pas appeler arabes, parce que ça veut dire qu'ils seraient venus au moment de l'expansion arabe, mais ils sont là depuis l'aube des temps. Oui. La Palestine, c'est la... Ce ne seraient pas les Philistins dont parle la Bible? Alors, bien entendu, alors... Philistine, c'est... Je crois qu'il faut surtout, quand on parle d'histoire, je respecte complètement les textes religieux et la Bible, mais il faut essayer, quand on parle d'histoire, de s'appuyer sur des notions historiques vérifiables. Voilà. Oui. Donc, je pense que l'histoire des Philistins n'est pas dans la Bible. La Bible a été écrite et a parlé d'événements qui avaient eu lieu 3 siècles plus tôt, vous voyez, à une époque où on n'avait pas les moyens de collection de données qu'on a aujourd'hui. Donc, elle a été écrite à un moment donné, dans une situation politique précise. Il y a beaucoup d'anachronismes dans la Bible. Par exemple, on parle de chameaux, alors on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas de chameaux. Donc, je passe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont majoritaires sur ce territoire. Et donc, ça pose la question de dessiner une carte qui représente la réalité. C'est-à-dire qu'il faudrait placer, par exemple, la ville de Nazareth avec un rond à proportion du nombre de Palestiniens, à proportion du nombre de Juifs, à proportion de ceux qui sont ni Juifs ni Palestiniens. 20% de la population à l'intérieur des frontières de 67 est ni palestinienne ni juive, ce sont des émigrés des ex-républiques soviétiques. Et j'en ai une image assez... Askenaz. Oui, c'est encore une autre histoire. Hein. On y viendra. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous placez aujourd'hui à l'aéroport Ben-Gourion,
et que vous voyez le nombre d'avions qui entrent et qui sortent de l'aéroport de Ben-Gourion aujourd'hui, vous serez frappé par le nombre de vols qui se font quotidiennement en direction, en provenance des ex-républiques d'Union soviétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce million d'immigrants qui est arrivé garde des liens extrêmement serrés avec, je dirais, la terre patrie, avec sa culture. Et donc, il n'y a pas une société israélienne aujourd'hui. Il y en a au moins trois sociétés. Il y a les Juifs israéliens, il y a les Palestiniens israéliens et il y a les ex-républiques d'Union soviétique. Et les Sabras, ce sont ceux qui sont nés... Alors, les Sabras, c'est par définition, ce sont ceux qui sont nés sur place. Sur place, voilà. En Palestine. Voilà. Ouais. Donc, la carte est une carte qui nous désespère si on la regarde comme telle. Mais si on sait que dans cette zone blanche, avec un tout petit peu de vert, les Palestiniens aujourd'hui sont majoritaires, ça montre tout à fait autre chose. Et ça montre que les événements dramatiques qui se passent aujourd'hui en Cisjordanie, eh bien, il y aura la même chose à l'intérieur des frontières mais de 67. Peut-être que celui qui l'a faite, cette carte, c'était pour montrer qu'Israël... c'est accaparer la terre. Alors, c'est vrai, bien sûr. Non, pas seulement les habitants. Les habitants sont là. De toutes les façons, on essaye de les faire fuir, comme cela a été fait à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Mais la terre, elle, elle est bien devenue israélienne, pour le moins, si on accepte ce terme. Oui, mais quand on montre cette image, on a l'impression que c'est une affaire qui est terminée, alors que c'est une affaire qui ne fait que commencer. Très bien. Venons-en aux Palestiniens. D'où viennent... les Palestiniens. Et aujourd'hui, les Israéliens, il y a une certaine propagande qui consiste à dire « Ah, ce n'est pas nous les étrangers, nous nous revenons sur notre terre », contrairement à ces Palestiniens qui, eux, viennent d'Arabie. Oui, alors bon, il y a toute une historiographie, une histoire inventée qui est encore assez prégnante aujourd'hui, mais qu'on essaye de détricoter un petit peu. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de traduire un excellent livre sur l'histoire de la Palestine ancienne. Et l'histoire de la Palestine, ce n'est pas l'histoire de la Nakba. L'histoire de la Palestine, eh bien, c'est tout ce qui s'est passé sur le plan humain depuis l'aube de l'humanité. Alors, on peut le comprendre assez facilement si on considère ce que nous disent les anthropologues, que l'homme est né en Afrique il y a 2 millions ou 3 millions d'années et a ensuite colonisé le continent européen et asiatique. Eh bien, c'est par cette zone de contact entre l'Afrique et le continent eurasiatique, c'est-à-dire par la zone qui correspond aujourd'hui à la Palestine, que sont passées les populations. Autrement dit, on est certain, sur le plan anthropologique, eh bien, on est certain que la Palestine constitue l'une des plus anciennes zones d'implantation humaine de l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est un premier point. D'où viennent les Palestiniens, les Philistins? À ce moment-là, ça pose la question, non pas d'où viennent les habitants, ceux qui sont sur place, mais... à partir de quand ils se sont appelés Philistins ou Palestiniens? Ben là aussi, on a une réponse qui nous est donnée dans l'histoire, dans les vestiges. La Philistia existait il y a 2000 ans. Il y a 3000 ans, la ville de Gaza, la ville de Rafa sont mentionnées, en particulier sur les temples de Karnak, cette zone de passage entre la Syrie et puis les poussées turques, hittites, etc. d'un côté et puis l'Égypte des pharaons de l'autre, eh bien ça a été en permanence une zone de passage où comme aujourd'hui les peuples ou les dirigeants impérialistes ont essayé de s'accaparer. Mais Gaza c'est une plage et c'est une plage où il y a des marées, voyez. Est-ce que quand l'eau arrive et qu'elle s'en va, est-ce que le sable a changé? Le sable il est toujours là. Et ça, ce sont les habitants de la région de Gaza depuis l'aube de l'humanité qui s'appellent Philistins. Eh bien, depuis que sont arrivés les soi-disant peuples de la mer, en fait, ils sont arrivés surtout par la terre, 1180 en gros avant notre ère, et ils se sont mélangés à la population locale qui existait depuis l'aube de l'humanité, les Canaans. Donc, ils se sont appelés Philistins à partir de cette époque. La Philistia avec ses cinq villes, eh bien, c'est le début de l'État palestinien, parce qu'un État, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce que déclarent les Nations Unies ou ce que reconnaissent les Nations Unies. Un État, c'est un groupe d'hommes qui acceptent de vivre ensemble, de se soumettre à une loi commune. Une même mémoire, une même vision, horizons, même langue, même culture. Ah non. Non, justement. Ah, d'accord. Non. Oui. Une loi commune, c'est-à-dire, c'est le début finalement du partage. C'est-à-dire que je vais respecter les lois, et il y a une force pour les faire respecter. Et j'accepte, c'est le début finalement où on privilégie l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Eh bien, il y a 2000 ans, ce sont cinq villes qui sont pratiquement toutes sur cette carte, Gaza, Ashkelon, Gat, Ekron, et puis Ashdod, qui ont constitué la Philistia, plus tous les villages environnants. Autrement dit, la Palestine en tant qu'État politique
existe depuis 2000 ans. Et en tant qu'État moderne, ce n'est pas Gilles de Vert qui dira le contraire, c'est depuis 1920-1922, il y a eu un État palestinien qui a été reconnu par la Société des Nations et dont le mandat a été confié de manière transitoire à la Grande-Bretagne. Mais l'État palestinien est moderne, il existe maintenant depuis près de 100 ans. Et les Palestiniens, certains disent que les Palestiniens sont les vrais habitants, encore plus que n'importe quel juif qui serait revenu d'Ansehou, puisque eux, ce sont les mêmes qui ont été de religion judaïque d'abord. Leurs ancêtres étaient juifs, dans le sens religieux bien sûr. Puis ils ont embrassé la religion chrétienne quand celle-ci est arrivée. Puis la religion musulmane, contrairement aux juifs qui sont restés dans leur judaïté. Mais c'est les mêmes racines, les mêmes origines. Ils ne sont pas venus d'Arabie, ils sont de cette terre. Ils sont passés par trois religions et maintenant il y a des Palestiniens chrétiens et des Palestiniens musulmans. Alors on pourrait même remonter plus en avant et là encore il y a un exemple qui est tout à fait significatif, c'est la grande mosquée de Gaza aujourd'hui, la mosquée Al-Oumari. Eh bien cette mosquée Al-Oumari, il en existe encore des restes. Eh bien, avant même les grandes religions, ce qu'on appelle les grandes religions monothéistes, eh bien, c'était un temple. C'était un temple qui était dédié au dieu Marnas, qui était un dieu crétois. On voit là l'influence, finalement, philistine, l'influence des peuples de la mer, mais qui se sont mélangés, hein, il n'y a pas eu de destruction. Et donc, le temple de Marnas, sur le lieu actuel de la grande mosquée Al-Oumari de Gaza, ce temple de Marnas, eh bien, est devenu une église chrétienne à l'époque byzantine. Et puis, lors de l'arrivée de la culture musulmane, il y a eu un partage des lieux saints, des lieux de culte, et il y a eu un partage entre cette grande mosquée, de cette église, qui s'appelait l'église Eudoxiana, du nom de la femme d'un Turc, cette église a été transformée en mosquée, tandis que l'église Saint-Porphyre est restée pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a eu, à l'arrivée d'Amir ibn al-As, un partage des lieux saints, des lieux de culte, qui s'est fait d'une manière tout à fait pacifique. Et donc, cette mosquée, eh bien, à l'invasion des croisés, est devenue une cathédrale. Elle a été modifiée. Quand vous regardez aujourd'hui cette mosquée, vous apercevez que ce qu'on appelle le minaret, eh bien, juste au milieu de la voûte qui supporte, il y a un dôme et il y a un trou. Et c'est le trou où on passait la corde pour sonner la cloche, vous voyez. D'accord. Et finalement, au départ des croisés, vers 1280 et des poussières, la bataille d'Attine, eh bien, cette cathédrale a été à nouveau retransformée en mosquée. Et puis, si vous y allez aujourd'hui, vous entrez dans une église bourguignonne du XIIe siècle, dans l'architecture, c'est absolument évident, vous êtes dans la France franchouillarde, je dirais, avec un bâtiment qui n'est pas orienté vers la Mecque, mais qui a une orientation différente. Donc la chaire de l'imam est un petit peu décalée, et vous voyez les enfants qui courent là-dessus. Et à moins de 100 mètres, vous avez l'église Saint-Porphyre, qui est toujours aujourd'hui en activité, avec des cérémonies, etc. Autrement dit, il y a beaucoup d'exemples de, je dirais même pas de coexistence, mais de vie harmonieuse à tirer de cette expérience de la bande de Gaza. Gilles de Vert est avec nous. Gilles de Vert, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Oui. Merci. Alors, il y a un instant, Christophe Oberlin nous parlait de cette Palestine historique, avant qu'elle ne devienne une terre pour un peuple sans terre, parce qu'avant, il semblerait qu'elle soit une terre sans peuple, et qu'elle soit devenue une terre pour un peuple qui n'avait pas de terre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet, Gilles de Vert? Notamment 1920, comme vient de le dire, de le signaler Christophe Oberlin. Oui, je veux bien préciser que je n'ai rien à dire à titre strictement personnel. Je crois que le son... Est-ce que le son passe? Vous êtes au téléphone en même temps, Christophe Oberlin? Pardon, Gilles de Vert. Le téléphone ou... On ne vous entend pas très bien. Vous pourriez peut-être rapprocher le téléphone de votre bouche. Ah. Est-ce que vous nous entendez, Gilles de Vert? On vous rappelle tout de suite. On vous rappelle tout de suite, Gilles de Vert. Pour revenir à la Palestine avant la colonisation, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce qu'était la Palestine avant
qu'elle ne redevienne Israël, avant qu'elle ne soit colonisée. D'abord un foyer juif, puis progressivement l'État d'Israël. Bah, écoutez, la Palestine, c'est une terre où il n'y a pas de défense naturelle. Hein. Il y a juste le Wadi Raza au sud de Gaza qui constitue une petite défense, encore que dans... Vous voulez dire une frontière géographique, voilà. Relief. Il n'y a pas de relief qui empêche les armées d'entrer. Donc ça a été en permanence le flux et le reflux entre les différents empires. Et ben, les cinq derniers siècles, avant 1917, hein, pour en venir directement à cette période, c'est l'Empire ottoman avec, une domination qui a été bien acceptée aujourd'hui, relativement, si vous voulez. On ne dit pas... c'est bien pire après, vous voyez, c'était mieux avant, vous voyez. C'est la colonisation britannique a été très mal ressentie. Et sous l'Empire ottoman, eh bien, on pouvait circuler. Et notamment, la Palestine est une zone où les gens sont extrêmement éduqués, vous voyez. Et donc, il y avait tout un flux qui allait s'éduquer en Égypte avec des études qui étaient gratuites. Et de tout temps, eh bien, il y a eu une véritable culture de l'éducation à Gaza. On ne peut pas se défendre par les armes, on ne peut pas se défendre parce qu'on n'est pas en haut des montagnes, vous voyez. Et donc, la résistance par l'occupation, par l'éducation est quelque chose d'absolument constant. Et ça a été une grave erreur des Israéliens lorsqu'ils ont conquis la bande de Gaza en 67. Eh bien, c'est d'empêcher les Gazaouis d'aller s'éduquer au Caire et dans le nord de l'Égypte, parce qu'instantanément, il y a eu un besoin et on a créé à ce moment-là une université. Et là, c'est devenu une véritable pépinière d'intellectuels résistants à l'occupation israélienne. On dit que les Palestiniens sont l'élite de la nation arabe, si tant est qu'il y ait une nation arabe. Si tant est qu'il y a une élite, je dirais aussi, vous savez, je discutais il n'y a pas longtemps avec un chauffeur de taxi, et quand il m'a raconté son parcours et quelle était la situation de ses enfants, je me suis dit que l'élite n'est pas forcément là où on l'imagine, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a un très très niveau d'éducation, et c'est vrai d'ailleurs que cette population très éduquée a subi un très lourd tribut, parce que ce sont les premiers ciblés. Il y a eu un épisode, par exemple, important dans l'histoire récente, les négociations d'Oslo qui se tramaient. Il fallait éliminer les intellectuels qui étaient supposés s'opposer à ces négociations. Et donc, M. Rabin a capturé 400 sympathisants du Hamas, du djihad islamique, et les a déportés au Liban. Il y avait véritablement des intellectuels dont il fallait se débarrasser, mais ça a été un véritable retour de bâton, puisque ces intellectuels se sont installés au Liban, ils ont refusé d'entrer dans le Liban, ils sont restés dans la montagne, les médias du monde entier sont arrivés, il y avait des étudiants et des professeurs, ils ont créé une université, et donc ça a été une espèce de happening qui a duré un an. Et au bout d'un an, eh bien, les Israéliens, Rabin, ont bien été obligés, sous la pression internationale, la pression de l'ONU, qui pour une fois d'ailleurs a été assez efficace, eh bien, ont été bien obligés de rapatrier ces intellectuels chez eux. Donc la Palestine, ce sont des intellectuels. Donc il y a eu un retour de réfugiés dans cette histoire. Absolument. C'est le seul, je crois, j'imagine. Absolument. D'ailleurs, ils le disaient quand ils étaient dans les camions, les yeux bandés, attachés sur leurs chaises. Ils disaient, nous n'acceptons pas de passer de l'autre côté. Il ne faut plus, ils avaient la notion, la leçon de la Nakba, il ne faut plus qu'il y ait une seule famille palestinienne qui accepte l'expulsion. Oui. Mais à cette période, avant que la Palestine ne soit colonisée, cette période dont vous nous parliez, du temps des Ottomans, les trois religions, est-ce qu'elles cohabitaient harmonieusement? Alors, les trois religions cohabitaient, et je dirais qu'elles cohabitent toujours de manière harmonieuse, à condition que ça soit des locaux. Vous voyez, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps pour un bouquin sur les prisonniers. Mais les Sabras aussi sont des locaux. Alors, les Sabras aujourd'hui sont des locaux. Oui. Et je voudrais vous dire aussi que, ayant fréquenté depuis 15 ans beaucoup de gens à Gaza, en particulier des dirigeants du Hamas, je n'ai jamais entendu ni un dirigeant, ni un homme dans un café, eh bien, parler d'expulser qui que ce soit le jour où il y aura l'égalité des droits sur la terre de Palestine. Il n'est pas question d'expulser qui que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même... dire, mais l'égalité des droits, ça veut dire tout simplement qu'il faudra se soumettre à la règle démocratique, qui est la règle majoritaire, et dans les règles démocratiques, eh bien, le respect des minorités est inscrit.
Donc tout ça fait partie du projet politique qui viendra le jour inéluctablement parce que tout simplement la guerre perpétuelle, ça n'existe pas. Nous allons voir si Gilles Devers est avec nous. Non, pas encore. Il y a un souci de téléphone, je crois. Christophe Oberlin, pardon. Quelle est la différence entre les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens de Cisjordanie, mis à part le pouvoir d'ici et de là-bas, le Hamas et l'autorité palestinienne. Qu'y a-t-il d'autre comme différence ? Alors, sur le plan des personnes, il n'y a pas de différence. Et toutes les tentatives qui ont été faites pour diviser l'opinion entre Cisjordanie et Gaza sont des échecs. Et j'ai des amis de Cisjordanie, tous mes amis de Cisjordanie que je connais ont suivi avec énormément de douleur toutes les attaques qu'ont subies Gaza. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Par contre, il y a une énorme différence en ce qui concerne les conditions économiques, les conditions d'enseignement, les conditions psychologiques. Et paradoxalement, eh bien, c'est en Cisjordanie que psychologiquement on se porte le plus mal parce que en Cisjordanie, eh bien, tous les parents qui ont des enfants, en particulier des garçons entre 14 et 20 ans, eh bien, savent que le soir, il ne sera peut-être pas là. Hein, on le sait, vous le savez bien, qu'il y a eu 700 000 Palestiniens qui sont passés dans les prisons israéliennes, une famille sur quatre. Et donc, il y a une insécurité personnelle en Cisjordanie qui est extrêmement prégnante. À Gaza, l'insécurité est d'une autre nature. L'insécurité, ce sont les bombardements, les drones, les tirs, les paysans qui, dans les rares terres cultivables qui restent, se font faire un carton, parce que c'est ça dont il s'agit. Et ça, vraiment, j'en suis le témoin. J'ai vu arriver au bloc opératoire quantité de blessés dans ces conditions-là. Donc, l'insécurité est d'une autre nature. Au niveau du sol, il y a une sécurité, les gens se parlent. Et je me souviens d'ailleurs, pour vous donner un exemple, j'étais à Gaza au moment des bombardements de la guerre de 2008-2009, vous voyez, de l'hiver. Et il y a eu des chirurgiens qui sont venus du monde entier, par l'Égypte, parfois par les tunnels, donc ils sont très difficiles. Et je me souviens d'avoir vu arriver un Irakien du Nord, un Kurde irakien, alors que ça bombardait, vous voyez. Oui. Il arrive à Gaza le soir, il s'installe dans le réfectoire de l'hôpital. Il dit « je me sens en sécurité ». Bon, il se sent en sécurité, pourquoi ? Et il me raconte, spontanément, il a fallu qu'il vide son sac. Eh bien parce qu'un jour sur deux, il risquait de se faire enlever. Sa mère appelait tous les soirs pour savoir s'il n'avait pas été kidnappé. Donc vous voyez, il y a différents types d'insécurité et on peut sentir, on se sent en sécurité à Gaza. À partir de l'évacuation des colonies en 2005, ça a été une véritable bouffée d'oxygène. Tous les soirs, ça tirait. À partir des colonies, ça tirait sur la ville. Un de mes élèves, le docteur Samir Adjazi, a été tué chez lui par une balle perdue, qui n'était pas forcément perdue parce qu'on arrosait la ville, vous voyez. Autrement dit, la question de sécurité, elle est relative. – En Cisjordanie, pourquoi y a-t-il autant d'arrestations ?– Alors, en Cisjordanie, il est clair que l'autorité palestinienne et Israël, puisque c'est très souvent la police palestinienne qui arrête, on essaye d'arrêter les têtes pensantes, on essaye d'éliminer ceux qui partent. – Avec la collaboration de l'autorité palestinienne ?– Bien entendu. – Et qu'ils remettent les prisonniers à Israël ?– Alors écoutez, je n'entre pas dans les détails. D'abord, oui. Moi je connais mieux la bande de Gaza, oui. Mais il est de notoriété publique que ce sont essentiellement les partis à référence musulmane qui sont ciblés, on essaye de les empêcher de parler. – Le terrorisme islamique. – Voilà, mais en pratique, j'aimerais bien qu'on laisse exprimer par exemple M. Aziz Dueck. M. Aziz Dueck, selon la loi palestinienne, constitution ou loi constitutionnelle que le Hamas demande à respecter, et il n'est pas question de faire une constitution différente, eh bien Aziz Dueck, président de Parlement, actuellement devrait être à la place de Mahmoud Abbas. Et étant donné qu'il est président du Parlement, que Mahmoud Abbas, eh bien, son mandat est terminé depuis 2009, oui. C'est dans la loi palestinienne le président du Parlement qui devrait présider, vous voyez, ce qui n'est oui. pas le cas. Oui. Donc on est complètement hors de la loi internationale et hors de la loi palestinienne en Cisjordanie. – Mais les pays occidentaux, d'une façon générale, ne condamnent pas cette situation ni cette… prise de pouvoir indue, en fait. Il ne condamne pas, mais il y a quand même des petites choses qui se passent, et en particulier du côté du droit international. Et là, je regrette que Gilles Devers n'en parle pas. Parce qu'il est avec nous, nous allons le c'est lui le plus compétent pour en parler. Ces institutions internationales qui sont ressenties à juste titre comme des institutions occidentales, parce qu'elles ont été effectivement
taillé à la mesure des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient les Occidentaux. On en subit encore aujourd'hui les conséquences avec d'énormes problèmes, mais il y a quand même des petites avancées. Et ces petites avancées, ben, c'est la création du droit international moderne et ces tentatives d'application au niveau de la Cour pénale internationale. Et cette Cour pénale internationale, sans empiéter sur ce que va nous dire Gilles Devers, maître Gilles Devers, eh bien, elle est indépendante du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale. Elle est indépendante. Et on a au moins deux exemples aujourd'hui d'affaires concernant les crimes de guerre israéliens, eh bien, qui ont franchi plusieurs étapes au niveau de la Cour pénale internationale, ce qui est véritablement une première. Pour la première fois dans l'histoire de la Cour pénale internationale, qui est une histoire courte, puisqu'elle a 13 ans, même pas 12 ans, eh bien, un État occidental est mis en cause au niveau de la Cour pénale internationale. Donc c'est un outil qui est vivant et qui commence à porter ses fruits. Gilles Devers, vous êtes avec nous. Ça y est, je crois qu'on a tout cette fois. Là, très bien, on vous entend très bien. Je reviens à cette question que je vous posais. Y a-t-il eu un État palestinien avant que la Palestine ne devienne Israël ? Alors, ici, je vais être bien précis, je ne donne pas mon opinion, je donne l'état du droit. Et la réponse de l'état du droit, elle est oui. C'est-à-dire que ça résulte des textes et ça résulte de la pratique internationale et ça résulte de la jurisprudence. Je poursuivrai en disant que ça résulte également du bon sens, parce que quand en 1947 on dit qu'on va faire un plan de partage, à ma connaissance on partage quelque chose qui existe. Vous avez une pomme, vous pouvez la couper en deux, mais autrement vous demandez deux pommes. Bon, donc si on partage la Palestine, c'est qu'elle existait. Et elle est reconnue dans les textes, notamment le traité de Sèvres et les actes qui ont suivi dans cette époque, qui était donc la fin de la Première Guerre mondiale. Alors on surprend souvent en disant qu'il faut recommencer là pour comprendre l'histoire de la Palestine, mais c'est là que tout se joue. Et vous aviez auparavant l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'était la Turquie, qu'on peut appeler historique, et puis un certain nombre de provinces, qui avait d'ailleurs été plus ou moins colonisé, c'est-à-dire qu'en gros, du moment que ça marchait et que les sous rentraient, je crois qu'on préservait assez bien, relativement bien, le sort des populations. C'était pas une colonisation nivellement, comme on a pu le connaître ailleurs. Et donc, quand l'Empire ottoman s'écroule, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se pose la question du sort de ces provinces, et également de sort d'autres provinces arabes, et également d'autres, vu qu'ils étaient implantés également en Bulgarie, en Grèce. Bon, et on va donc établir des cartes, et sur les cartes apparaissent les États qui sont la Bulgarie, la Grèce, la Jordanie, la Palestine, l'Irak, la Syrie, le Liban, donc tout ça est établi. Il se trouve simplement que quand vous avez des régions relativement pauvres, qui sont peu ouvertes au monde économique, qui n'avaient pas d'administration autonome, qui sortaient de plusieurs siècles de colonisation ottomane, le réalisme est de dire, est-ce que demain on peut en faire un État? Il faut quand même un minimum de structure. Donc c'était le régime des mandats. Alors, en l'état actuel, on risque souvent de faire une erreur parce qu'on dit les mandats, c'était la SDN, donc c'était les impérialismes, la Société des Nations, c'était quelques États, effectivement, donc c'était les impérialismes. Mais attention, à l'époque, le droit international ne connaissait peu l'impérialisme, et notamment, il faut revoir le discours de Wilson et sa posture sur le traité de Versailles. Les États-Unis étaient isolationnistes. Pour ce qui est de massacrer les peuples, ils avaient de quoi faire avec les Indiens, et donc pour le reste du monde, ils avaient une attitude qui, sur le plan du droit international, était de reconnaître les souverainetés. Et il fallait accompagner donc ces provinces qui avaient un territoire, une population, vers l'autonomie et donc l'indépendance le plus tôt possible. C'était ça le régime des mandats. Et la Cour internationale de justice a jugé qu'amener ces populations vers l'indépendance, c'était un devoir sacré. Donc tout ça est tout à fait clair. Et effectivement, tous les États qui étaient sous mandat, les provinces sous mandat, que ce soit au proche Moyen-Orient ou en Afrique, sont tous devenus des États, tous sauf un, parce que a parasité la question du foyer national juif qui était revendication du Congrès juif mondial de 1897. Et il y avait avant de créer foyer national juif. On ne sait pas ce que c'est juridiquement que foyer national juif. C'était en fait à l'origine, c'était une volonté, c'était une affirmation.
et puis la puissance occidentale, les deux puissances occidentales de la région qui étaient la Grande-Bretagne et la France. Les États-Unis étaient très en recul à l'époque, disent la belle opportunité de garder un point fort, parce que la grande crainte était que ces pays qui avaient vécu le poids de l'occupation musulmane, alors qu'on les reconnaît la qualité de peuple souverain, allait prendre une indépendance et qui se rapproche donc, c'était ça la crainte, qui se rapproche du groupe soviétique, vu que 1917, c'est à la fois ce basculement de la guerre et c'est également la révolution de 1917. Et donc, il fallait garder un point fort occidental. Et donc, l'opportunité est de dire, ben voilà, où est-ce qu'on va pouvoir rester de ce foyer national juif, on va en faire quelque chose qui sera la place forte occidentale. Et dans le même esprit, d'ailleurs, qui guidera plus tard la Grande-Bretagne à créer pratiquement de toutes pièces le régime de l'Arabie Saoudite. Hein. Bon, donc l'histoire vient de là. Mais quand on regarde la réalité des textes, cette ambiguïté sur le foyer national juif à créer en Palestine ne laisse aucun doute sur le fait qu'à partir de 1920 et 21, la Palestine était considérée comme un État sous mandat au terme du droit international. Vous avez des références extrêmement claires sur ce plan. Je regrette qu'elles ne soient pas plus connues et pas plus reconnues et publiées par l'autorité palestinienne elle-même. Quand je vois qu'on a une déclaration de Abbas l'an dernier revenant de l'ONU disant cette fois-ci on a un État, mais l'État vous l'avez depuis 1920. Notamment l'acte le plus clair, parce que c'est une décision de justice entérinée par la Société des Nations à l'époque, c'est la question de ce qu'on appelait l'arbitrage sur la dette ottomane. À savoir que il y avait un... Nous avons été coupés. Nous avons été coupés, Gilles Devers, Maître Devers. Nous avons été coupés. Nous vous rappelons dans un petit instant, nous allons essayer de rappeler Gilles Devers. Je reviens à vous, Christophe Oberlin. Nous parlions de prisonniers. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les prisonniers palestiniens d'une manière générale, combien sont-ils, pourquoi sont-ils en prison, depuis quand pour certains d'entre eux? Alors le dossier des prisonniers est un dossier extrêmement lourd pour les familles, autant que le dossier des morts, des blessés et des handicapés, parce que chaque famille palestinienne a quelqu'un qui est en prison et parfois depuis 10, 20, 30 ans. Ce dossier est très lourd parce que il est constitué par une accumulation de non-droits. La procédure de non-droit la plus criante, c'est ce qu'on appelle la détention administrative. Et là, je termine actuellement un livre sur les prisonniers palestiniens. Cette détention administrative, ça date de la loi, c'est une loi britannique, donc ça date de la colonisation britannique, et c'est une loi qui dit, Monsieur Benchenouf, je peux vous enfermer en prison sans aide d'un avocat, sans charge, sans procès, pendant 6 mois, et si au bout de 6 mois je décide de le renouveler, vous n'avez rien à dire. Voilà. Et donc vous avez des prisonniers palestiniens, je crois que la plus ancienne détention administrative, c'était 18 ans. Vous voyez, quelqu'un qui était en prison depuis 18 ans sans avoir eu droit à un procès. Alors, on peut dire énormément de choses, et c'est ce que je fais dans ce livre, sur toutes les étapes du droit, sur les procès, qui sont des véritables forfaitures. Ce sont des juges militaires. Hein. Je crois que certains disaient la musique militaire est à la musique, vous voyez, ben, la justice militaire est à la justice. Donc, ce sont des procédures. Certaines personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont été condamnées à la prison à perpétuité en moins de 10 minutes. Vous voyez, bon. Alors, comment j'ai eu l'occasion de les rencontrer? Eh bien, parce qu'il y a eu un échange assez fameux récemment, en 2011, contre ce Chauda Chalit, que l'ensemble de la classe politico-médiatique française, d'ailleurs, a qualifié de français parce que sa grand-mère était française, alors que le soldat Chalit n'a jamais mis les pieds en France et ne parle pas un mot de français, comme sa famille, d'ailleurs. Et donc, on s'est mobilisé dès le premier jour pour ce soldat. Et je me suis dit, quand même, c'est vraiment tout à fait anormal que ce soldat soit montré en civil avec son petit air d'ange, parce qu'effectivement, c'était un grand adolescent, mais c'était quand même un adolescent qui était au poste de tir dans un tank. Oui. Et on n'a jamais demandé au soldat Chalit combien de Palestiniens il avait tué, combien d'hôpitaux il avait bombardé avec son tank. On s'est contenté d'en faire une espèce de victime civile, ce qu'il n'est pas.
Et pour vous donner encore une anecdote frappante, qui m'a frappé en tout cas, et je n'étais pas le seul, eh bien c'est sous les bombes, pendant la guerre de 2008-2009, alors que j'étais en salle d'opération, il y avait une télévision dans la salle de repos, et c'est là que j'apprends que la ville de Paris vient de faire le soldat chalit citoyen d'honneur. Oui. Vous voyez, vous imaginez ce qui se passe dans la tête des Palestiniens oui. quand on voit une chose pareille. Donc j'ai eu envie de faire un livre où on décrive les Palestiniens, les prisonniers palestiniens, pas simplement sous un nombre, un chiffre, vous voyez. Donc j'ai rencontré un certain nombre de ces prisonniers, et notamment ceux qui ont été, un certain nombre qui ont été libérés à l'occasion de cet échange. Et je parle aussi de prisonniers qui restent en prison et dont personne ne parle. On est incapable de mettre… Combien sont-ils? Ils sont encore entre 5 et 6 000. Mais c'est un chiffre, c'est comme les frontières d'Israël, c'est un chiffre qui change à tout moment. Parce qu'il suffit qu'on décide de quoi que ce soit et hop, on va recapturer. Actuellement, il y a près d'une centaine de prisonniers qui ont été libérés à l'occasion de l'échange de 2011 et qui ont été réincarcérés. Donc c'est quelque chose qui change en permanence. Donc j'ai voulu humaniser, raconter des histoires, j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré des mères, j'ai rencontré des épouses qui m'ont raconté leur vie de, eh bien, et les conditions de détention dans ce… qui se proclame comme étant la seule démocratie de la région. Alors, avant la détention, il y a les interrogatoires et la torture qui est d'usage systématique. Tous les prisonniers que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont été torturés, y compris mon ami Mohamed Rantissi, qui est toujours un excellent chirurgien et qui a été torturé parce que c'était le frère d'Abdelaziz Rantissi, membre fondateur du Hamas. Et donc, on a essayé de lui faire dire des choses. J'ai un ami astrophysicien de Gaza qui a été horriblement torturé. Je passe sur les détails de ces tortures. Autrement dit, la torture qui ne laisse pas de traces, elle est utilisée aujourd'hui quotidiennement dans les centres d'interrogatoire d'Ashkelon. Il y en a un à Jérusalem, vous avez un quartier qui s'appelle Moscovie, vous voyez. J'engage vivement ceux qui vont visiter Jérusalem aujourd'hui, vous voyez, de sortir de la ville, de tourner, de longer les remparts, et puis ils vont passer par la place Tzahal, vous voyez, et puis ils vont arriver dans l'ancienne concession russe qui était… destiné à accueillir les pèlerins russes qui venaient sur les lieux saints avec des hôpitaux et des lieux et des hôtelleries. Eh bien là, il y a une prison qui s'appelle Moscovie. Je raconte dans mon livre les tortures dont étaient victimes certains, et notamment des femmes, dans cette prison Moscovie. Voilà. Donc c'est ça la démocratie israélienne, il faut le savoir. Terrible. Nous allons arriver tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, à envisager cette troisième intifada qui se profile à l'horizon. Je voudrais qu'on parle ensemble des conditions qui sont en train de susciter cette intifada. Mais je vais revenir à vous dans un instant, puisque nous avons retrouvé Gilles Devers. Gilles Devers, rebonjour, nous vous avons perdu. Désolé pour ces petits instants, mais on va y arriver. C'est nous. Alors, la dernière fois que vous étiez passé avec nous sur El Maradibia, lors de votre dernier passage, vous nous aviez dit sur le même sujet que des procédures internationales existent qui pourraient être actionnées par les représentants du peuple palestinien pour dénoncer les crimes d'Israël notamment. Dites-nous lesquelles avant de savoir pourquoi elles ne l'ont pas été. Il y a deux volets principaux. Il y a donc on est d'accord qu'on ne peut agir que devant les. Je vais même dire, il y a trois volets. Le premier volet, ça serait que l'État de Palestine se saisisse de ses affaires judiciaires. Et ça, je crois quand même qu'il faut le dire noir sur blanc. C'est-à-dire que vous êtes un État, vous avez un ministre de la Justice, vous avez des tribunaux, une cour de cassation, des prisons, et je ne vois pas pourquoi, quand le crime est commis ou met en cause, on respecte la présomption d'innocence des colons, pourquoi on abandonne l'idée de juger. Donc je crois qu'il est largement temps que l'État de Palestine assume ses responsabilités d'État, et que quand un enfant est brûlé par des colons, le lendemain, il y a une enquête judiciaire qui soit ouverte par le procureur de Ramallah, et qu'on commence l'enquête, et s'il le faut, demander la coopération internationale. Mais l'idée de renoncer à juger, à protéger ses propres ressortissants, me paraît vraiment une faille, et pourtant totalement inscrite dans la logique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le droit européen.
vu que on cherche les recours internationaux après ce recours national. Donc le premier, c'est le volet européen. La Palestine entend par l'OLP, mais depuis ANP, enfin il y a une succession, mais il est certain que cet accord existe, a signé un accord de coopération économique avec l'Union européenne. Et cet accord contient un grand nombre de dispositions techniques qui supposent le respect du territoire, vu que dès que vous avez un contrat, il s'applique à un territoire. Donc la première question est pourquoi, quand il y a des empiétements sur ce territoire que l'Europe accrédite, pourquoi est-ce que l'autorité palestinienne ne s'en saisit pas en disant vous avez un accord avec Israël, appliquez votre accord comme vous le voulez, mais moi cet accord signé existe, je demande que le territoire en soit respecté. Eh voilà. Bien pourquoi justement Gilles Devers, la question est pourquoi ne le fait-elle pas, l'autorité palestinienne? Alors c'est d'autant plus regrettable que, outre cet aspect strict de territoire, il y a dans l'accord un article 2 qui, dans tout accord de coopération européenne, en disant que l'Union européenne passe des accords avec des États tiers, et donc leur permet d'accéder au marché européen, à condition que ce soit pour renforcer les droits de l'homme et pour le développement de la démocratie réelle selon les critères de l'ONU. Donc il y a également des possibilités de demander la suspension de l'accord ou de dénoncer des accords sous cet angle-là. Voilà, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne pourrait demander la suspension de l'accord de coopération avec Israël et doit demander l'application de son plein accord sur son territoire. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Je ne suis pas politicien. Moi, je constate qu'il y a tous les arguments juridiques pour le faire et que ça n'est pas fait. On a, par exemple, une seule référence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne sur la question du territoire d'application de l'accord, ce qu'on appelle l'arrêt Brita, qui est du 15 février 2010. Cet arrêt est rendu à l'initiative des douanes allemandes qui voyaient arriver des produits des colonies et disaient « Mais attendez, les colonies en Palestine, c'est pas Israël, donc pourquoi serait le tarif privilégié, etc. » Et donc ce sont les douanes allemandes qui ont défendu l'intégrité du territoire palestinien. Et il n'y avait rien de plus simple, alors que le procès était en cours, que de mandater un avocat allemand pour se rendre devant le tribunal en disant « Mais attendez, ce litige m'intéresse parce que c'est quand même mon territoire à moi, Palestine. » Et donc ça ne se fait pas. Donc on peut pas dire que c'est la complexité du droit, ce sont des choses qu'un avocat qui fait du droit international pratique très bien, c'est une volonté de ne pas faire. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est un constat. Sur les causes, eh ben, on me dit parce qu'il ne faut pas faire le procès, il faut pouvoir négocier, donc ça, ma foi, je n'ai rien sur les négociations, je ne dois dire pas très bien ce qu'on négocie, mais ça c'est un autre aspect. En tant qu'avocat, je n'ai pas à me mêler des choix politiques, je constate qu'il y a des actions simples à faire, qui peuvent être que d'autres États ont pratiqué, que d'autres mouvements de libération nationale ont pratiqué, et que ce n'est pas fait, alors qu'actuellement, l'Union européenne reconnaît comme frontière celle de 1967. Voilà. Mais en l'occurrence, Gilles Devers, en l'occurrence, puisque l'autorité palestinienne, visiblement, c'est une question de carence, de démission, de refus d'assumer ses responsabilités. Mais en l'occurrence, ne s'agit-il pas là de communauté de non-assistance à communauté en danger de la part de la communauté internationale, j'allais dire? Alors, on peut, il faut être, essayer d'être clair. Du point de vue de la communauté internationale, en entendant de l'Europe, pour commencer pour cela, il y a incontestablement un point de vue qui, moralement et politiquement, n'est pas défendable. Est-ce que ça rend juridiquement la qualification de non-assistance? Ça, c'est autre chose. Mais quand je vois les déclarations de l'ambassadeur de France à l'ONU, le jour où la Palestine peut mettre son drapeau, c'est pourquoi pas une mauvaise chose, mais enfin que ça ne fait pas avancer le dossier du moins un millimètre, bien au contraire, et qu'on dit voilà, c'est une grande avancée, c'est extraordinaire, et puis c'est un nouveau pas pour je ne sais pas quoi, donc déclaration enthousiaste de la France, alors que quand la Palestine a finalement ratifié le traité de la CPI, ce qui voulait dire qu'elle plaçait tout son territoire et toute sa population sous l'angle du droit international, et qu'elle se plaçait dans la revendication de dire le droit international c'est moi et l'agresseur c'est Israël, il n'y a eu ce jour-là aucune déclaration d'aucune capitale européenne pour dire ben, c'est déjà bien, on salue la Palestine qui rejoint un traité duquel on est parti, et en plus c'est un très bon signe parce qu'on va pouvoir combattre la violence en la faisant juger. Donc le poids européen sur ce plan pour faire pression et jouer ou répondre aux pressions que semble attendre l'autorité palestinienne, hein, des fois on peut se poser la question, il est tout à fait flagrant. Mais je me place du point de vue de la justice, le juge européen ne peut rien faire s'il n'est pas saisi. Voilà. La question est assez simple. Vous avez un salarié qui est licencié. Un licenciement tout à fait abusif. Et vous le croisez le lendemain dans...
Ah, nous vous avons encore perdu, maître Gilles Devers. Toutes les façons, nous étions arrivés à la fin de cette première partie. Nous reprendrons la deuxième partie que nous vous diffuserons demain. Donc, à tout à l'heure, plutôt à demain. Salam alaikum, qawla khair, flamma.